Salut, bienvenue sur SLM Ghetto Live. Aujourd'hui, vidéo test, incrustation d'objets, de textes en mouvement. Voilà, vidéo test quoi. Yes, I. Voilà, je reviens du test tracking. Donc le tracking ça le fait pas mal, ça le fait bien, mais par contre j'ai pu constater que quand la caméra bouge un peu trop et quand ça déforme l'image, il y a des déformations d'image, le tracking peut pas suivre parce qu'en fait le track ça suit plusieurs points, plusieurs pixels dans l'image. Donc si le pixel se retrouve déformé, forcément le track va suivre le pixel et il va mal faire le taf. Et aussi quand je fais la mise au point, quand je suis en train de filmer et je fais la mise au point, forcément il y a du flou, donc le track peut plus suivre en fait, il peut plus suivre les pixels, ça devient tout flou. Si je veux aller plus loin dans le track, soit je mets la caméra sur trépied ou j'achète un stabilisateur. Et franchement je dois en acheter un parce que j'en parle, je dois en acheter, voilà. Donc et aussi cette caméra arrive en fin de vie, il a des bugs, l'écran bug et ça me fait des images noires qui clignotent comme ça. S'il y a quelqu'un qui a une astuce pour me permettre de régler ce souci, je suis preneur. Voilà, mais elle est vieille, je pense que elle est morte. La caméra a une durée de vie aussi. Yes. Et voilà, donc en fait, pourquoi j'ai fait ce test, c'est pour me permettre de mettre une nouvelle corde à mon arc et de pouvoir faire des effets encore plus cool. Et par exemple, quand tu utilises le tracking, quand on veut suivre mon regard, tu vois, je mets un point de tracking et ensuite ça suit, ça marche, hein? C'est cool. Mais vous avez dû remarquer que l'image est un peu zoomée. Parce que je suis obligé de zoomer parce que l'image, je la déplace. Donc là, je suis en format 1080 de la Full HD. Donc je la déplace, donc je suis obligé de la redimensionner pour que ça puisse rentrer dans le cadre. Et c'est à ça sert les caméras 4K. La 4K ne sert pas à dire « Ouais, j'ai une vidéo 4K ». La 4K, c'est un format d'image plus large et qui te permet de réaliser des effets un peu plus poussés. C'est vraiment pour pouvoir travailler ces genres d'effets. Je vais pas allonger cette vidéo davantage. Restez branchés, abonnez-vous. Suivez-moi sur Facebook, Instagram et voilà quoi. À la prochaine sur SLM Ghetto Live. Yes.